Soyez la Hachmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin Madame Fatoum Lakhdari, directrice du Centre scientifique et technique sur les régions arides. Madame Fatoum Lakhdari, bonjour. Bonjour, bonjour à vous et à toute l'Algérie. Alors, nous allons parler ensemble de la Terre, sa préservation, du réchauffement climatique, en lien avec la conférence internationale sur le climat qui se tient aujourd'hui à Paris. Alors, le réchauffement climatique, une question qui nous préoccupe, nous, Algériens, aujourd'hui, Madame Lakhdari. Bien sûr, elle nous préoccupe comme elle préoccupe toute la communauté internationale. Mais de par notre position géographique, nous sommes parmi les régions les plus vulnérables, aussi bien pour les phénomènes extrêmes comme les inondations qu'on voit s'abattre sur certaines régions du pays de temps à autre, comme les canicules aussi qui nous frappent de plein fouet. Voilà, et puis ça a d'autres impacts, le réchauffement climatique. Donc il nous faut nous préparer. Même si on n'est pas responsable de ce réchauffement. Alors, phénomène extrême, autre préoccupation, les canicules, vous voulez le signaler à l'instant, et le bouleversement des saisons, on le vit aujourd'hui, très peu de pluie cette saison, et vous rentrez là de Paris, exactement hier, où vous avez assisté à une rencontre euro-méditerranéenne sur les risques majeurs. Est-ce que cette question a été également abordée, Madame Lakhdari? Bien sûr, cette question a été abordée. D'abord, permettez-moi de vous dire que la question des changements climatiques a été lancée par les scientifiques, ou l'alerte sur le climat depuis les années 70. Et ça, c'est une question tellement importante parce qu'elle fait interagir plusieurs domaines, le domaine environnemental avec le socio-économique, avec le politique et même le scientifique. D'ailleurs, on l'a vu, les premières décennies, il y a eu des débats très chauds, même entre scientifiques, il y avait des contradictions. Mais maintenant, avec tout ce qui a été fait d'abord par la communauté scientifique, par les différents rapports qu'on a eus par le groupe intergouvernemental, le GIEC, les choses commencent à se décompter un peu. Et s'il y a une certitude, peut-être, c'est surtout par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est les phénomènes extrêmes pour lesquels on est de plus en plus sûr. Bien sûr, vous évoquez la réunion à laquelle nous avons participé il y a 2 jours de ça à Paris. Il s'agit d'une réunion qui concerne les risques majeurs en général, qu'ils soient liés au climat ou pas. Et elle se fait dans le cadre d'un accord euro-méditerranéen et l'Algérie prend part, et moi-même j'ai été représenter le centre que je dirige et qui fait partie des réseaux de centres, et nous avons présenté justement un programme qui nous préoccupe et qui concerne les canicules, parce que nous allons défendre toujours ce qui préoccupe en particulier notre pays et nos populations. Voilà. Mais pourquoi les canicules particulièrement, Madame Lakhdari? Canicules parce que tout simplement ce qui dit canicule, c'est en relation avec la température et son augmentation. Et je ne vous cache pas, même si les chercheurs n'ont pas tout publié du centre, de leurs travaux, nous avons ouvert depuis quelques années une division risques liés climatiques, qui est vraiment une division qui fait un travail tous les jours sur le terrain et qui travaille en collaboration aussi avec d'autres partenaires du pays, et qui nous ont montré quand même qu'il y avait tendance d'abord à l'augmentation, mais aussi à la fréquence de ces canicules, mais aussi à l'étalement de ces périodes où il y a des canicules. Et ces phénomènes-là mettent en difficulté à la fois le citoyen comme vous et moi, mais aussi nos gestionnaires de l'eau, de l'énergie, de l'habitat, de l'agriculture. Et ça, c'est des questions qui nous préoccupent. Et à ce titre, je peux vous signaler que nous, depuis 2011, on a mis en place, par exemple pour les régions sahariennes, un réseau de veille avec nos frères agriculteurs pour voir un peu l'impact de ces canicules et de ce réchauffement en général sur le pilier ou le pivot central de l'oasis qui est le palmier dattier, parce que quoi qu'on en dise, c'est le palmier qui fixe un peu les populations dans ces régions, et c'est grâce au microclimat qu'il crée. Pourquoi on s'inquiète? Parce que d'abord les agriculteurs eux-mêmes le disent, et les chercheurs d'une façon générale en Algérie constatent, observent sur le terrain des changements, par exemple le décalage dans l'ouverture des spathes mâles et femelles du palmier. Ça veut dire qu'il faut se préparer. Si on n'a plus de concordance entre l'ouverture du pollen, la préparation du pollen mâle pour le mettre sur le pied femelle, il faut nous préparer pour avoir des pollens au moment opportun, prêt et avec tout le pouvoir d'efficacité. Et nous devons aussi réfléchir sur le calendrier agricole. Peut-être qu'on sera obligé de déplacer certaines cultures, je ne sais pas, faire un choix entre les différents cultivars. Il y a, à mon sens, cette question du réchauffement, elle doit nous faire réfléchir, d'ailleurs elle le fait déjà, sur tous les aspects et les domaines d'activité socio-économique, y compris l'habitat.
y compris l'habitat, ça devrait nous faire réfléchir là-dessus. Mais justement, la hausse de température de 2 degrés, où les scientifiques sont unanimes, on y est déjà, mais il ne faut pas aller au-delà. Est-ce que la canicule est une conséquence aujourd'hui directe du réchauffement climatique, Madame Lardari? Écoutez, nous, ce que nous savons, par exemple, pour les régions arides, on pensait qu'on était dans un milieu, je dirais presque inerte, le Sahara. Mais ce n'est pas un milieu inerte, c'est un milieu vivant, surtout sur toutes ses facettes. 30 ans auparavant, on arrivait quand même à supporter les températures. Il n'y avait pas de climatiseur. Il n'y avait pas de climatiseur. Bien sûr, l'habitat était peut-être plus adapté aux conditions climatiques. Mais ceci dit, notre évolution, nous aspirons aussi vers le progrès, vers la modernité. Et ça, c'est un droit, je dirais, légitime. Et notre pays a fait beaucoup dans ce sens. Mais il nous faut maintenant s'arrêter pour réfléchir et améliorer notre démarche, y compris pour l'habitat. Y compris pour l'habitat. Et je vais vous donner un autre exemple. 30 ans auparavant, il me semble qu'à Alger, on ne voyait pas un seul climatiseur. Et de même dans d'autres pays de la Méditerranée, de rive nord, rive sud. Mais ces dernières années, on voit ce qui montre quand même qu'il y a cette tendance au réchauffement et cette tendance aux canicules. Maintenant, dans des histoires de climat, on n'est jamais sûr. Il y a beaucoup d'incertitudes. Et nous, en tant que communauté scientifique, moi je suis plutôt agronome et physiologiste, je m'occupe surtout de l'impact sur les agro-systèmes. Mais j'ai des collègues qui s'occupent du climat et qui disent qu'il y a vraiment une tendance. On dit, et on utilise le terme tendance parce que pour travailler sur les climats, il faut travailler sur des séries de longues années. Moi, je ne vous cache pas, l'équipe que nous avons au centre, elle travaille sur des séries de 60 ans. Et le travail ne fait que commencer. Et ce qui est important à signaler, c'est que toute la communauté scientifique algérienne et même nos collègues des institutions comme l'ONM et tout, nous sommes appelés à coopérer, à travailler main dans la main pour observer, mesurer et pouvoir réagir à bon escient pour notre système de développement. Mais justement, par rapport à cette question du système de développement, vous dites qu'il faut adapter le calendrier agricole. Qu'est-ce que vous entendez exactement par l'adapter aujourd'hui? L'adapter, j'ai donné l'exemple tout à l'heure du pollen du palmier. Si on a un déphasage entre les pieds mâles et les pieds femelles, on est obligé d'être prêt au moment où la femelle peut être en quelque sorte pollinisée. Donc il faut travailler auparavant. Et là, la recherche peut apporter beaucoup en maîtrisant la conservation du pollen. Parce qu'il ne suffit pas de le conserver comme ça. Il nous faut le conserver avec tout son pouvoir pollinisateur. On peut aussi réfléchir sur le calendrier au niveau des plantations, même les cultures, je dirais, annuelles. Au niveau de la récolte, il nous faut adapter toutes les opérations culturelles par rapport à cette nouvelle donne. Mais pour être sûr, il faut être sur le terrain et il faut observer et il faut faire confiance aux scientifiques. L'optimisation aussi de la ressource hydrique est un facteur essentiel également. On ne peut pas parler de réchauffement ou de choses qui concernent le climat sans parler de la ressource hydrique, surtout pour un pays comme l'Algérie qui est quand même un pays sec, hein. On n'est pas un pays très arrosé. Et il nous faut à tout prix développer une stratégie d'adaptation à cette nouvelle donne climatique. Je ne dis pas que rien n'est fait, au contraire, il y a eu beaucoup de choses de faites dans le domaine de l'eau ces dernières années, mais nous sommes contraints à réajuster, à réactualiser notre démarche stratégique. Alors justement, par rapport à cette question de développement, le droit au développement, c'est le point d'achoppement entre les pays et les États. Certains appellent les pollueurs à assumer leurs responsabilités historiques et entières par rapport à cette pollution et ce réchauffement climatique que connaît la Terre aujourd'hui. Et les pays en voie de développement revendiquent le droit au développement. Entre les deux questions, comment un peu essayer de défendre la position de celle des pays en développement, comme l'Algérie par exemple ? Pour le droit au développement. Oui, c'est vrai que cette question du droit au développement est essentielle. On ne peut pas concevoir un monde équitable si on ferme les yeux sur le fait que certains pays ont eu à se développer d'une façon aisée, si je peux m'exprimer ainsi, et qui ont une grande part de responsabilité dans le réchauffement, parce que le réchauffement, maintenant, il est directement relié à la consommation d'énergie fossile et à l'émission de CO2, d'autres gaz, mais en particulier le CO2, c'est lui qui fait la part la plus importante. Et d'un autre côté, nous avons des pays qui n'ont pas eu ni le temps ni les moyens pour assurer leur développement. Moi, je donne souvent l'exemple de certains pays d'Afrique où il y a des populations qui n'ont jamais vu l'électricité chez eux. Ils n'y mettent pas de gaz à effet de serre du oui, tout. Hein. Oui, oui. L'Afrique n'y met qu'à hauteur de 4%. Oui, on sait que les États-Unis, c'est autour de 20-25, je crois, équivalent CO2 par habitant et par an. Pour la France, c'est autour de 6-5. Pour les pays de l'OCDE, c'est autour de 11.
Pour l'Afrique, c'est autour, en tout cas moins de 4%. Jusque-là, c'est moins de 4%. Et donc, à mon avis, je ne parle pas que de l'Afrique, il y a d'autres pays aussi en développement dans d'autres continents, en Asie en particulier. Je pense que les décideurs de ce monde, les politiques en général, ils doivent faire un effort réciproque. Il faut qu'il y ait une équité internationale. Mais il n'y a pas d'équité, de toute façon. Mais il faut la chercher. Et à mon sens, cette équité, il faudrait au moins que les pays qui ont une part de responsabilité, ce n'est pas pour les incriminer, mais qu'ils fassent un effort au niveau du transfert technologique, par exemple, au niveau de l'injection de techniques propres. Mais sans faire payer ce transfert aux pays qui ne sont... Et ça fait en quelque sorte l'application du principe pollueur-payeur, mais d'une façon, je dirais, respectueuse et souple entre les pays du monde. Et ça, à mon avis, on ne peut pas avoir un consensus pour dire qu'on va arrêter les émissions du jour au lendemain s'il n'y a pas une équité internationale. Il faut un effort de part et d'autre. Mais d'un autre côté, en tant que scientifique, on ne peut pas se permettre de dire on ferme les yeux, on y va, on pollue et on avance. Non, nous sommes un pays quand même intelligent, l'Algérie quand même est un pays qui a fait beaucoup pour l'environnement, et nous sommes contraints à rechercher les solutions les moins dommageables pour l'environnement, d'abord pour nous, mais aussi pour la planète, mais aussi nous permettre d'aller vers un développement harmonieux de nos populations, et nous aspirons, comme tous les pays du monde. Je pense que cette question de l'équité internationale est très importante. Je dirais qu'il ne faut plus être égoïste à l'échelle internationale. Il y a une part de solidarité de part et d'autre. Mais ce n'est pas possible de dire... on arrête les émissions du jour au lendemain. D'ailleurs, ce qui a été émis déjà, il va continuer à avoir son effet. Et on a vu que depuis les années 70, les émissions ne font qu'augmenter. Et souvent, c'est quelques pays, je dirais, vraiment très développés et des pays émergents qui ont la part la plus importante. Alors, vous parlez d'équité internationale, vous parlez de moins d'égoïsme, mais beaucoup disent aujourd'hui que la conférence de Paris pourrait aboutir sur un accord sur la réduction de gaz à effet de serre, alors que d'autres chercheurs aussi prédisent d'autre part l'échec déjà de cette conférence, comme ce fut le cas en 2009 lors de la conférence de Copenhague. Quel est votre commentaire justement sur cette question? Parce qu'il y a le droit au développement qui pose problème. Oui, motion qui est fondamentale. Le droit au développement doit être mis en exergue, doit être mis sur la table. Et je pense que l'Algérie, c'est pour l'Afrique, c'est un bon défendeur des pays africains. Et je pense que c'est l'Algérie, si je ne me trompe pas, qui est le porte-parole pour la question climatique. Et il n'y a pas photo. On ne peut pas demander à des pays qui n'ont pas assuré même pas 20% de leur développement de s'arrêter. D'ailleurs, je vais donner quelque chose sur la question énergétique. On nous dit arrêter les énergies fossiles. Nous, on est un pays qui regorge d'énergie solaire et éolienne, tout, en particulier le solaire. C'est très bien. Mais il faut du temps aussi pour s'adapter. Il faut du temps pour créer cette énergie, la rendre vraiment rentable. Et je peux vous dire une chose, peut-être pour l'énergie solaire, ce n'est qu'une question d'effort et de peut-être appuyer les scientifiques à développer le maximum de recherches sur ces énergies pour les mettre au point, parce que jusque-là, nous ne pouvons pas dire, nous en tant que scientifiques, que ces énergies sont opérationnelles et sont rentables au même niveau que les énergies fossiles. Et c'est ça la question qui est très importante. Un autre exemple, c'est les biogaz. Les biogaz, moi je dirais que c'est intéressant, mais pas pour l'Algérie. Parce que nous, tout ce qui est biomasse, nous devons l'utiliser pour lutter contre la désertification et l'ensablement. Nous avons l'énergie solaire et l'éolienne, et surtout le solaire, nous devons redoubler d'efforts. Mais je reviens pour dire un mot sur les énergies à partir du biogaz. Pour un pays comme l'Algérie, qui enquête sa sécurité alimentaire. Vous savez, les biogaz qui sont développés aujourd'hui à travers le monde, ils sont faits sur des terres agricoles, avec des denrées alimentaires, le maïs, le colza, la betterave à sucre, et c'est des productions qui ont empiété sur les terres agricoles pour la nourriture à travers le monde. Et je me rappelle, quelques années de là, le prix des denrées alimentaires a flambé. Et donc, il y a toute une réflexion internationale, même cette question, à mon sens, elle doit être discutée. Quelle énergie promouvoir sans porter atteinte à la sécurité alimentaire à travers le monde, parce qu'on y est encore dans ce problème. Beaucoup de pays sont vraiment sous le seuil admissible, et nous-mêmes, l'Algérie, qui est quand même un pays
en bonne voie, nous sommes dépendants encore pour notre aliment de base. Et notre stratégie aujourd'hui, notre recherche number one, c'est assurer notre sécurité alimentaire. Donc vous voyez que c'est pas simple la question du changement climatique. Il faut avoir une vision globale et intégrée. Et moi je dirais que pour notre pays, il y a matière à mettre des spécialistes de toutes les disciplines pour discuter, réfléchir et tracer des lignes, je dirais, pas d'orientation, mais des lignes au moins pour prendre des précautions tout en allant vers le progrès. En définitive, cette question de changement climatique a des implications économiques. Bien sûr, bien sûr. Et des enjeux économiques. Bien sûr, l'enjeu numéro un, c'est l'économique, et on le voit très bien. Il faut pas être naïf, voilà le terme que je cherchais. Il y a de toute façon, dans toutes ces questions, il y a bien sûr l'aspect environnemental qui est important, il y a l'aspect protection de l'humanité, mais il y a l'aspect économique qui est toujours là. Et c'est ce qui fait souvent foirer les discussions. Et il faudrait quand même qu'il y ait une, je dirais, une équité internationale. Alors, qu'on ait le courage, même si parfois ça demande un effort supplémentaire, et qu'on aille vers une équité internationale. Alors certains, vous l'avez dit tout à l'heure, ils nous appellent à arrêter l'exploitation des énergies fossiles parce que ça émet des gaz à effet de serre, mais il y a certains pays qui utilisent d'autres produits comme le charbon qui est hautement polluant aujourd'hui, et ils ne veulent pas arrêter parce que ça pourrait contraindre leur économie. Oui. Moi je pense qu'il y a de toute façon, il y a plusieurs sources énergétiques. C'est vrai que vous avez raison, le charbon est un des sources de pollution. La Chine utilise le charbon. Bien sûr, la Chine c'est parmi les pays les grands émetteurs aussi. Mais moi je peux vous dire que même les énergies qu'on pensait promouvoir rapidement, comme les énergies renouvelables, elles ne sont pas encore opérationnelles au même niveau que les fossiles. Donc il ne faut pas se raconter d'histoire. Il y a matière à affiner pour l'énergie solaire. Il faut affiner son transport, son stockage. Tout ça, c'est les spécialistes qui le disent, hein. C'est pas moi. Moi, je ne suis pas de cette spécialité. Mais en tant qu'agronome qui réfléchit et qui se sent impliqué pour le développement de mon pays et pour la sécurité alimentaire, je suis obligée d'être informée sur tous les volets qui touchent à ce secteur. Si je prends le coût de certaines énergies biogaz, à l'heure actuelle, certains d'entre eux émettent plus d'énergie. Quand on les produit, ils nécessitent plus d'énergie que ce qu'ils donnent par la suite. Vous voyez ? Donc les choses ne sont pas encore réglées même pour ça. Et là, je pense que la communauté scientifique dans le monde doit être aidée, doit être encouragée pour chercher les solutions. Alors comment nous adapter à cette situation sans pour autant ralentir notre développement économique, parce qu'on a droit aussi au développement. Nous sommes un pays qui a beaucoup à faire en matière de développement et nous accusons un retard, on doit le rattraper sans pour autant être pénalisé par des accords qui pourraient peut-être être entérinés à Paris ou pas, on va voir. Et moi je pense que l'Algérie déjà a élaboré un plan climat. Et je sais que l'Algérie aussi, dans ce plan climat, elle a un programme énergétique. Elle a prévu de remplacer progressivement ses énergies fossiles par l'énergie renouvelable. On voit bien, d'ailleurs, il y a des unités qui sont à Adrar, des unités à Hassermel. Il y a un effort et puis les choses sont bien tracées. Pour cela, le tout, c'est qu'on arrive à maîtriser ces énergies et qu'elles soient aussi rentables que le fossile. Ce n'est pas spécifique à l'Algérie, c'est à l'échelle mondiale. Je dis les meilleurs actuellement qui sont au point, c'est aux USA et au Brésil, et encore certains de leur biogaz nécessitent plus d'énergie à leur production qu'ils n'en donnent ensuite dans le moteur d'un véhicule ou d'un bus par la suite. Mais pour nous, il nous faut à la fois appuyer la recherche dans le domaine des énergies renouvelables, respecter le programme qu'on a tracé pour progressivement remplacer les énergies fossiles. Et ce n'est pas un mal pour l'Algérie, parce que les énergies fossiles, un jour ou l'autre, elles vont s'éteindre. Et donc, dans notre intérêt, moi je le dis, même par rapport à la crise actuellement, moi je la vois comme positive pour mon pays, parce qu'elle va nous obliger à travailler, à redoubler d'efforts et d'innovation pour la stratégie qu'on doit émettre et pour le développement qu'on doit assurer pour ce pays. Bien sûr, il n'y a pas que sur le plan énergétique, il y a un effort aussi en matière d'eau.
il nous faut être stratège dans l'économie de l'eau, dans la réutilisation des eaux non conventionnelles. Il nous faut être stratège. On a un ambitieux programme d'irriguer un million d'hectares. Oui, et ça, il faut le faire avec les rêves. Ce n'est pas sur la frange littorale qu'on va les trouver. Les terres au niveau de la Métidia sont réduites et l'espoir et l'avenir se tournent plus vers les hauts plateaux et le Sahara. Et c'est des régions qui sont, à mon avis, sur le plan nature des sols, ne sont pas aptes à une mise en culture tout de suite et automatique. Il faut vraiment apporter les aménagements hydro-agricoles idoines pour qu'on puisse à la fois produire, mais dans la durabilité. Alors justement, par rapport à cette question des hauts plateaux et du sud, on le sait aujourd'hui, de par la situation géographique de l'Algérie, nous sommes un pays aride, semi-aride, certains considèrent aujourd'hui que l'avancée du désert pourrait peut-être affecter certains territoires au niveau du nord du pays. Mais est-ce que aussi la science doit s'adapter de telle sorte à apporter la vie au niveau du Sahara algérien? C'est pas une malédiction, le sud? Non, au contraire, le Sahara est une richesse pour l'Algérie. Une grande richesse. Et une richesse. Même hydrique. Et oui, une richesse sur tous les plans. Maintenant, il faut prendre le Sahara dans son contexte climatique, physique, sur le plan, je dirais, climat, géologie. C'est le rôle des chercheurs. Oui, tout à fait. Il y a aussi sa composante socio-économique. Et je peux vous dire que le Sahara grouille de vie, déjà à l'état spontané. Et je vais attirer votre attention. Aujourd'hui, il y a des espèces au Sahara qu'on trouve nulle part au monde et qui sont les mieux adaptées au réchauffement, qui sont mieux adaptées au stress thermique et salin. Et il nous faut, nous les scientifiques, les étudier à fond et comprendre leurs mécanismes d'adaptation pour pouvoir en faire un bon usage et les préserver. Je prends le dromadaire. Est-ce qu'on l'a étudié à fond pour comprendre quels sont les mécanismes qui lui permettent de tenir? Peut-être qu'on est appelé aujourd'hui à lui donner plus d'importance, même dans la sécurité alimentaire, que de prendre là une place vraiment stratégique. Le camelin aussi. Oui, c'est ça, le dromadaire, le camelin. Je parlais du camelin, c'est vrai. Et là, le camelin, il est domestiqué par l'homme. Mais il y a d'autres espèces qui sont spontanées, et plusieurs espèces qu'il nous faut à tout prix étudier à fond. Par exemple, il y a certains acacias qu'il faut à tout prix étudier. On pourra en tirer profit. Pour nous, dans le domaine pharmacologique, dans le domaine de l'aliment du bétail, il y a beaucoup d'espèces. L'arganier aussi. L'arganier, c'est connu. Et vous êtes en train d'étudier cette question. L'arganier a été décortiqué par une équipe au centre, qui est l'équipe espèces rustiques, et qui a fait vraiment décortiquer à la fois, qui ont fait la cartographie, qui ont fait des essais de multiplication, parce que c'est difficile à se multiplier naturellement, surtout à cause des sécheresses, mais qui a fait aussi une décortication de la molécule d'huile d'argan. Et nous souhaitons qu'elle soit valorisée à travers des petites micro-entreprises. Et qu'elle nous apporte la devise. Moi, je pense qu'il y a matière à réfléchir et à faire du développement intégré, mais pas un développement standard du nord au sud, de l'est à l'ouest. Un développement réfléchi, mais qui tienne compte de la donne globale du réchauffement climatique, mais tiennent aussi des spécificités territoriales. Nous avons On peut le faire. Il y a, à mon sens, des spécificités territoriales qui peuvent, à mon avis, valoriser ces terroirs et ces territoires et apporter une plus-value à notre économie. Il ne faut pas standardiser. On ne peut pas dire on va planter telle espèce d'Alger jusqu'à Tamaras. Non, ça c'est une erreur. Mais il faut faire appel aussi aux compétences nationales. Nous avons, à travers tout le réseau universitaire, tout le réseau des institutions de recherche, des compétences qu'il faille valoriser, et ils ne demandent que ça. Adapter aussi la construction au mode de vie au niveau du Sahara, ne pas introduire le béton par exemple, pour ne pas aller vers une surconsommation énergétique en matière Si vous le permettez par rapport à cette question de l'habitat, moi je vais vous dire, un des éléments qui nous a vraiment poussé, parce qu'on avait un programme chargé sur la désertification, sur la sécheresse, on avait un programme sur les inondations, parce qu'à partir des événements de Rabdaya, les chercheurs ont dit on ne peut pas rester inerte par rapport à ce phénomène. Mais en voyant ce que nous vivions ces dernières années par rapport aux canicules, nous voyons même ça pose des problèmes même aux autorités locales quand il y a des pannes d'électricité. Et pourquoi? Parce qu'on ne pouvait pas tenir aussi dans ces bâtiments. Et du coup, on s'est dit, on va prendre ce programme sur le cœur et sur les bras et on va s'attaquer au phénomène de la canicule. Et je ne vous cache pas, les résultats qu'on a eus déjà pendant 2 ans sont vachement intéressants pour nous, même s'ils sont inquiétants.
Mais qu'est-ce qu'il révèle, ces résultats ? Il confirme la tendance à l'augmentation, il confirme la fréquence, l'augmentation de la fréquence des canicules, en considérant que 3 jours d'affilée d'une température maximale que les chercheurs ont retenu avec vraiment précision, ils nous ont montré aussi que cette plage de canicules, ces vagues de chaleur, s'étendent dans le temps. Et ça, je donne un exemple. Rapidement, madame. Sur le réseau de veille phénologique du palmier. Ils se sont rendus compte qu'il y avait parfois une avancée de l'ouverture des spathes mâles et femelles et parfois une accélération de la maturation de la date à la fin, avant même que le fruit n'atteigne sa taille normale. Et donc ça donne un fruit, je dirais, rabougri, un peu crénelé et desséché. Tout ça, c'est des questions qui nous préoccupent. Et c'est la raison pour laquelle, permettez-moi de répéter, nous devons appuyer la recherche scientifique. D'ailleurs, moi, je profite de cette, je dirais, plateau honorable pour remercier notre secteur qui nous a encouragés pour la création de cette division risque lié au climat, parce qu'elle fait un travail très utile pour le pays, très utile. Et actuellement, ils sont gagnés d'arrache-pied pour proposer des outils. D'ailleurs, il s'est avéré, après les débats qu'on a eus, après les premiers résultats, qu'un plan canicule est nécessaire pour notre pays. Il est nécessaire pour tous les pays de la Méditerranée, rive nord, rive sud. Mais pour nous, puisque c'est nous-mêmes qui avons fait ce travail pour l'Algérie, un plan canicule est très important. Il ne coûte pas plus cher. Il nécessite une vision stratégique et une bonne coordination entre les différents secteurs. Je m'arrête là, si j'ai dépassé mon temps. Non, pas du tout. C'était un plaisir que de vous recevoir, puisque vous nous venez directement de Biskra, où vous gérez le centre scientifique et technique sur les régions arides, où vous faites aussi un travail remarquable au niveau de ce centre. Madame Fatoumata Lardali, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous et merci à toute l'équipe. Merci. À bientôt.